3, 2, 1, ça y est, Delta Airlines a officiellement inauguré sa nouvelle liaison entre les États-Unis et la Suisse. La compagnie américaine propose dès aujourd'hui une liaison directe entre Genève et New York JFK durant la période estivale. Le vol sera opéré quotidiennement avec un Boeing 767 d'une capacité de 238 passagers. C'est très important aussi de souligner l'importance du réseau Delta au-delà de New York. On dessert plus de 70 destinations de New York vers l'Amérique du Nord, le Canada, le Mexique, l'Amérique latine, etc. Cette liaison supplémentaire vers New York répond à un besoin important à la fois de la Genève internationale, de l'économie de la région et du tourisme. L'arrivée de Delta est également une excellente nouvelle pour le secteur du cargo, puisque les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial de la Suisse. Dans un canton aussi cosmopolite que Genève, l'aéroport et les compagnies comme Delta Airlines jouent un rôle social et culturel extrêmement important. Ils et elles sont le cordon ombilical avec le pays d'origine, les racines, avec les langues maternelles. L'inauguration pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui nous offre l'opportunité d'entrevoir à quel point l'aéronautique est susceptible de nous élever au sens propre comme au sens figuré. Toutes mes félicitations à l'aéroport de Genève, un grand merci à Delta Airlines et je vous remercie pour votre attention. Ce vol quotidien arrive le matin à 10h50 à Genève et repart 2h plus tard à 12h50 pour JFK.